J'ai fait ce que tu m'as proposé hier. Ma femme m'a engueulé, mon patron m'a menacé de me congédier et un conducteur arrogant a failli me faire avoir un accident parce que je ne lui ai pas cédé le passage. Parce qu'en dedans de moi, je suis la personne la plus importante. Tu vois où ça me mène, tes trucs? Attention, as-tu réfléchi à savoir ce qui était le bon choix ou tu ne l'as fait que pour tenter l'expérience? Je ne sais pas. Je pense qu'au fond de moi, je n'ai pas été très sérieux et que j'ai voulu démolir ce que tu veux m'apprendre en te défiant. Tu as le droit. Mon but n'est pas de changer ta vie, mais de te donner des outils à toi de savoir si tu as l'intention de t'impliquer sérieusement. La pensée n'est que de l'énergie. Si nous n'avions pas les cellules, les molécules et les atomes qui forment la matière, eh bien, vous et moi, nous ne serions que de l'énergie dans de l'énergie. De là la grande importance de s'attarder à l'énergie de la pensée, car c'est elle qui, en somme, contrôle toutes les réalisations humaines. Tout commence par une simple pensée, avant de devenir réalité. Que ce soit un projet, un rêve ou une action à poser, cela commence en pensée. Est-ce possible de se réaliser sans pensée? Non, malgré que parfois on aimerait bien arrêter de penser, mais ça, c'est impossible. Beaucoup d'entre vous ont probablement essayé. Aujourd'hui, je vous fais part d'une forme de pensée qui a des effets magnifiques et que vous pourrez expérimenter à votre gré et selon votre bon plaisir. Et cela, des dizaines de fois par jour. Comme la durée des capsules est très courte, je ne peux vous donner en quelques minutes toutes les explications. Mais avec le temps, vous les aurez et surtout, vous en comprendrez le mécanisme. Vous pourrez ainsi grandir grâce à ces notions. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie de la rose rouge. Premièrement, il s'agit de s'unifier à l'énergie en s'adressant à elle, en l'identifiant et en la nommant. Univers infini fait parvenir un magnifique bouquet de roses rouges à Nathalie, ma conjointe, à ma mère, à mon père, à mes enfants Yannick et Karine, enfin à toutes les personnes que vous aimez. Dans cette transmission de pensée, vous devez les imaginer avec un sentiment profond d'amour. Comme votre relation avec ces personnes est déjà harmonieuse, en vérité, vous ne verrez pas grand changement si ce n'est que de leur offrir un plus dans leur vie. Là où l'énergie de la rose rouge joue vraiment son rôle, c'est lorsqu'il y a un conflit entre deux ou plusieurs personnes. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que l'attitude ou le comportement conflictuel est annulé. C'est comme s'il n'y avait jamais existé et le résultat est immédiat. Peut-on le faire pour des personnes auxquelles nous ne sommes pas nécessairement liés en énergie, c'est-à-dire que nous connaissons, mais qui ne nous connaissent pas? Par exemple, les politiciens. Je t'encourage à le faire le plus souvent possible. Ce sera ta façon de faire évoluer dans la paix notre société. D'ailleurs, aujourd'hui, comme exercice, partageons l'énergie des roses rouges à tous les dirigeants de la planète. À demain. En attendant, vivez des moments de tendresse.